Regardez, le portail s'est fermé. Ouais, mais là, je suis déçu. Je sais pas, venez, allez-y. Bonjour. C'est fermé. Ouais, c'est fermé. On va y rentrer, monsieur. C'est pas possible, c'est fermé. Oui, ben, on vient de le dire, c'est fermé. C'est ce que je vous dis, c'est fermé. Ouais, c'est fermé, ouais. Je sais pas, c'est le chef, il m'a dit qu'il fallait fermer. C'était terminé pour aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. Ouais. Bah oui, il y a une rencontre demain, j'ai fini de préparer le terrain il y a un quart d'heure là. Le terrain pour? Bah pour la rencontre de demain. Mais il y a déjà eu une rencontre. Hein? Il y en a déjà eu? Ouais, mais là, je préserve le terrain. C'est un match officiel demain? Ouais. Mais ça nous est déjà arrivé de jouer alors qu'il y avait match officiel? Ouais, mais moi, je sais pas, je suis arrivé cette semaine, mais ils m'ont dit que le week-end dernier, il y avait eu des problèmes en prêtant le terrain. Ah d'accord, mais on n'était pas là, mais... Il avait fallu tout refaire à zéro avant le match. Ouais, ouais. Donc voilà, je suis désolé, apparemment c'est fermé. On peut voir le chef? Hein? On peut voir le chef? Oula. C'est RTT là, ça risque de le froisser. Il est 14h, ça va, il a fini déjà là. Ouais, ouais, il a beaucoup bossé. Et puis bon, il est avec un chef. C'est bizarre ça. Allez, il y a des jeunes qui veulent jouer sur le terrain et puis... Mais tu leur as pas dit non. Ben, j'aurais dit que c'était pas possible. Il y a Jackie qui vient nous voir. Je sais, désolé Jackie. Je te mets la petite sœur, j'arrive. Il n'y a pas les glaçons. Là. Ouais, les glaçons, ça fait des paillettes. Il y a Michel aussi. Pardon, bonjour monsieur. Donc, ouais, dis-ce qu'ils vous connaissent. Bonjour. Ah ouais, je crois que je les connais aussi, ouais. Ah oui? Bah on vient quasiment tous les week-ends sauf la semaine dernière. Ah c'est ça, voilà. Mais la semaine dernière on n'a pas pu venir, du coup on revient ça là aujourd'hui. La semaine dernière vous étiez pas là. On était en ville. Ah ouais. On dit du shopping en ville, hein Cécilia? Ouais. Elle s'est acheté un beau gilet jaune. Gilet jaune. Très cher. Donc c'est pas eux la semaine dernière, ouais. C'est eux de quoi en fait? Vous parlez de quoi monsieur? Bah, les jeunes qui ont joué, qui ont pris les poteaux de corner, qui ont fait du javelot avec. Voilà. Bah non, c'est pas nous. Non, c'est pas vous, bah évidemment. C'est pas toi qui a refait le tracé avec du PQ partout là? Non plus ouais. Mais non, non vous n'étiez pas là la semaine dernière. Et les douches, vous avez des preuves pour moi? Vous voulez qu'on mette des caméras partout aussi? Bah, je sais pas, là, vous nous avez dit quelque chose qu'on n'a pas fait. Non, mais à chaque fois, c'est pas vous. Hein, vous venez là. À chaque fois, vous, c'est qui vous là? C'est qui de nous? Vous êtes pas du centre-ville, vous. Vous n'êtes pas du centre-ville. Regarde, elle a raison. Hein mais non, on n'est pas du centre-ville, on est juste dans les quartiers. Le Val d'Orance, là. Ouais. Et alors? Orance d'Arabie. Ouais, c'est ça. Ouais, ça pose un problème. Chez nous, de toute façon, c'est le bazar. Bah, c'est vrai, on n'a pas de stade chez nous, on se pense à ça. Vous avez. Ils vous ont fait un joli petit terrain en béton là, il n'y a pas longtemps. C'est un parking. Ah bah ouais, si vous mettez les manières dessus. Regarde l'état. Il a arrêté le joueur à ses genoux. Non, non, attendez. On vous fait un city style nickel. On fait un city style nickel, vous mettez les manières dessus, puis voilà. Le city style, il est obligé de se... Non mais si... À deux tacs, il est obligé de ça. On vous donne des trucs tout neufs et... Mais c'est un parking, non, monsieur. Là, on est en stade municipal, c'est ouvert à tous, on en a le de venir. Non, mais le stade municipal, c'est celui-là. Alors, je suis désolé. Dis-moi quoi. C'est pour tout le monde le municipal, c'est la mairie. Ouais, t'as licence. C'est un lieu public. Hein? C'est un lieu public. Ouais. Exactement, elle a raison. Hein? Ouais, c'est même nos parents, vous voyez qui. Vos parents qui quoi? Bah, qui paye. Avec les impôts? Ouais. Mais non, mais attends, leurs parents, c'est tous Chomdu et compagnie, là, à gratter les aides. Et voilà, non mais. Non, mais c'est bon. Le gros cliché, ouais, c'est clair. Ah, tu vois, c'est même pas. Non, mais ouais, tu as. Ignore-le. On fait les taxis. Il est fiers. Ouais, ouais. Bah, très bien. Taxi au chômage? Non, sur les ronds-points. Et toi, ton père? Moi, elle a trois boulots pour essayer de vivre. Ah, ouais, bah voilà, tu vois. Bien joué. C'est bien ça. C'est vrai que c'est vaillant pour faire. C'est peut-être pour ça qu'il y a. Dormeur le matin, dormeur l'après-midi. Bah, arrêtez, monsieur, là, vous dites n'importe quoi, là. Non, mais on sait comment on fait, attendez. Monsieur, c'est quelle heure tu vas chez eux, tiens? Tu passes le quartier, là. Déjà, tu prends les caisses sur la caisse. Ouais, bien sûr. Ah, ouais. Et les mecs, tu vois, toute la journée, là, dans la rue. Dis-lui, quoi, t'as vu ce qu'il dit? Cliché. Ouais, c'est des clichés, vous faites des gros amalgames, monsieur. Quoi. Bon, allez, ouvrez-vous. Il parle même pas français. Là. Amalgame, monsieur, là. Vous mettez tout le monde dans le même panier, là. Vous voulez panier, ouais. Si. Ouais, c'est ça, ouais. Stéréotype. Bien. Racisme. Ça, c'est du racisme, vu ce qu'on fait. Moi, j'ai des propos. C'est même xénophobe, ça, monsieur, là. Attends, là, ouais. Xénophobe, vous avez peur de l'étranger, monsieur. Il n'est pas musicien, non. Non, mais c'est vrai. Je ne comprends rien, c'est pas possible. Et le pastaga, là. Cool. Ben cool, hein, mais ouais, ça va. Sûr, c'est en train de... s'embrouiller dedans, lui, par contre. Il va avoir mal à votre petit cœur, chef. Ah non, mais bon, genre là, c'est bon, quoi. Ouais, mais bon, ouvrez, si on... là. Bah ouais, si on est laissé rentrer, mais je peux... voilà. Non, on va pas s'énerver, on va rester tranquille. Bon, il y a Gilet Jaunet qui, bon, elle est un peu... non, les gilets, c'est contre Macron, c'est pas contre le foot. Très bien.
Il y a Gilles Auger. Attends, tu leur fais confiance, toi. Bah, faut bien que j'apprenne. Tu leur fais confiance. Bah, pas encore. Mais monsieur, on n'était pas là le week-end dernier. Arrêtez de nous mettre tous dans le même panier, quoi. Franchement. C'est vrai. Bah, écoute, Michel, si tu veux, tu t'en occupes, hein. Ouais, tu vas faire moniteur de colonie de vacances. Ah, bah, j'ai pas la fin. Ah, bah, c'est parfait, alors. Hein. Bah, tu t'en occupes, et alors, s'il y a des problèmes, tu remets tout en état, parce que demain, il y a le maire, il y a le préfet. Il y a le député aussi au match. Hein. Bah, le maire d'ailleurs, on va bien toucher un mot là. Là, ce que vous faites, c'est la discrimination. Oui, pas aussi. On va aller... En tant qu'employé municipal, vous n'avez pas le droit de. Mais c'est ça, c'est pas mal aussi. Arrêtez, je vous promets que s'il y a un problème, moi, c'est pas seulement le maire que je vais prévenir. Le maire, on va lui dire les propos que vous avez. La police, elle va venir. Oui, on va aller les voir aussi. Vous n'avez pas le droit d'avoir des propos comme ça, monsieur ici. On aura plus Richard pour après. Hein, les gars. La fille. Là où elle est. Non, il n'a pas le droit de faire ça. Cécilia. Ouais, c'est son supérieur, alors. Très bien. Tu veux t'en occuper? Ouais, je vais gérer. Je te promets, hein, si elle...